Comment on va passer? Les champs de force ont un taux de rafraîchissement fractionnel. Rien de ce qui navigue à vitesse subluminique peut passer au travers. On va amorcer notre approche à la vitesse lumière? Chewie, tiens-toi prêt. Je fais ce que je peux! Oh, c'est vrai, t'as froid. La conduite d'eau pluviale est juste derrière. C'est par là qu'on va rentrer. Faudra plus qu'un coup de pinceau pour réparer ça. Des droïdes sentinelles. Bah, t'as un blaster, il me semble, non? Finn, tu penses pouvoir nous frayer un chemin? Ça devrait être utile. Il doit y avoir quelque chose ici qu'on peut utiliser. Tu sais quoi construire? Tu sautes ou je m'en charge? Chewie, tu as des explosifs? N'en garde pas en bas, petit. Il faut qu'on monte. On est quitté la zone d'avalanche avant de rugir, boule de pluche. J'espère que ton blaster est chargé. N'oublie pas, toujours tirer le premier, c'est la règle. Voyons voir qui vise le mieux. Je m'en occupe. Cet idiot de résistant a trouvé un moyen de passer.
Merci. Cet ascenseur est l'unique moyen de monter. Enfin, l'été. Ils ont détruit l'accouplement de puissance pour le clouer au sol. Vite, il faut raccorder ces câbles pour rediriger l'énergie. Tenez-vous prêts. Les choses vont devenir intéressantes. Tout ce qu'il nous faut, c'est une carotte pour faire le sabre laser. Le dernier signal des droïdes provenait de cette crête. Allez-y! Bien, ça veut dire qu'ils ne regardent pas par ici. J'ai besoin d'aide ici. Pas de problème. Attention! Merci. Essaie de ne pas déclencher d'avalanche cette fois. On va trouver un moyen de te rejoindre, Chewie. C'est parfaitement sûr. Dans le cas contraire, tu te plaindras pas longtemps. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, j'ai belle numération. Du coup, je me fais des œufs brouillés. Enfin, je crois que ce sont des œufs. Donne-moi un coup de main, petit. Tu ne peux pas faire ça. Mais si, voyons. Regarde, je me vois. Éteins-moi ce feu. Prendre un blaster au lieu de prendre une poêle.
conduit d'évacuation nous servira d'accès, si on parvient à l'ouvrir. Est-ce que ces chaînes y sont reliées ? Passons à l'autre. Bon, à quoi sert ce conduit d'évacuation ? Oublie ma question, j'ai deviné. J'espère qu'il n'y a pas de Dianoga là-dedans. Au rapport. L'arme sera chargée dans 15 minutes, monsieur. Tu faisais quoi comme boulot quand t'étais ici ? Collecte des ordures. Collecte des ordures ? C'est là que t'as appris à désactiver les boucliers ? Pas du tout. Je suis venu pour retrouver Ray. T'as pensé à tout ce qui compte sur nous ? Le sort de la galaxie dépend de nous. Solo, on va se débrouiller. On utilisera la force. C'est pas comme ça qu'elle fonctionne, la force. Vous n'êtes pas un peu petit pour un Stormtrooper ? Les boucliers. Ça ira, j'ai ma petite idée. L'ennui avec cette armure, c'est qu'à cause des casques, c'est quasiment impossible de nous reconnaître entre nous. J'ai essayé de contourner le problème en portant un chapeau par-dessus, mais ce faillot de 2074 a cafeté au capitaine Phasma. Hé, c'est moi, 2074. Ah. N'empêche, ça illustre totalement le bien fondé. Le mur est très fin. Je peux le découper pour entrer dans le baraquement. Ça sert à rien. C'est trop loin! Il nous faudrait un ascenseur. Ça ne marchera pas. Je dois m'équiper d'un casque de Stormtrooper pour passer l'identification. Inutile de nous regarder. Tu crois qu'on a ça dans nos poches? Oops.
De toucher le trousseau sur la gauche, il est trop bien caché. Dire que vous étiez de grands amis, Phil. Pas la Starkiller de faire feu.
via une autre ouverture. Bande de larves. Je laisse les autres au bon soin de la Starkiller, mais vous, vous êtes à moi. C'est notre chance. Oui. À moi. Je m'appelle Finn et c'est moi qui commande. C'est moi qui commande, Phasma. Exécution. Vous croyez que ce sera si facile? Je suis pas d'accord. Vous voulez que j'explose votre casque? Désactivez les boucliers. Qu'est-ce qu'on fait d'elle? Il y a un conduit à ordures. Et un compacteur. Excellente idée. Lâchez-moi! Comment osez-vous?